Les remplaces de Barcelone ce vendredi matin, noir de monde, comme si rien ne s'était passé la veille. Pourtant, c'est bien dans cette avenue emblématique de la capitale catalane qu'une centaine de personnes ont été fauchées jeudi par un véhicule. Un drame sanglant qui n'a pas empêché les passants de se réunir sur cette rue piétonne la plus dynamique de la ville. Je passe chaque jour dans cette rue pour me rendre au travail. Tout le monde est toujours heureux, les gens sont souriants. Ce qui s'est passé hier a changé cet état d'esprit, mais pas pour longtemps. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est de retour aujourd'hui. La vie a repris son cours. Je crois que cet endroit va devenir une sorte de sanctuaire et les gens vont se réunir pour rendre hommage aux victimes. Les Ramblas sont le cœur battant de Barcelone, ville hautement prisée par les touristes pour les vacances. Aujourd'hui, on dénombre des victimes originaires d'une vingtaine de pays différents. Pour notre envoyé spécial, Barcelone vit une journée intensive, riche en émotions. Une journée d'été différente avec beaucoup de silence dans les rues. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona.